unafanana papa. Unafanana papa. Wewe wewe shangilia, shangilia. Wewe wewe wewe. Wewe. Njue nyanya. Nyanya. Nyanzi michi. Ninja. Anajana masi. Vous savez que j'ai épousé votre soeur. Et où qu'on a dit à ton frère. Et au président de la CMA pour français, tu vas tout payer, tu vas être intellectuel. Bon, vous allez m'excuser, je vais parler en français. C'est la langue officielle de la République démocratique du Congo. Je suis en train d'apprendre et le machi et le swahili. Et le kiyavu aussi. Donc, donnez-moi un peu de temps pour cela, n'est-ce pas? Donc, j'espère qu'on va se comprendre. Pour ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, après le programme qui vous a été présenté par le futur Premier ministre, le président Vital Kamerhe. Notre programme est axé sur le bien-être du Congolais. Le Congolais est au centre de ce programme. Tout ce que nous allons entreprendre, c'est pour l'épanouissement du Congolais d'abord. Lorsque nous aurons mis le Congolais dans de bonnes conditions, il sera capable de développer son environnement, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. L'île d'Idjoui est un endroit paradisiaque. Ça veut dire que les filles et les fils d'Idjoui doivent vivre comme dans le paradis. Comme les anges. Et quand nous lisons la parole de Dieu, est-ce que vous voyez un seul endroit où on décrit le paradis comme un enfer? Alors comment se fait-il que leur candidat nous promet la continuité? Est-ce que vous acceptez la continuité de vos souffrances? Non! Catégoriquement non. Vous acceptez la continuité de l'insécurité? Catégoriquement non. Vous acceptez la continuité de la hausse du dollar? Non! Non! Alors votez pour le changement. Oui. Le changement, c'est le ticket gagnant. Oui. Nous avons allié l'expérience à la constance du combat. D'un côté, un homme expérimenté qui a fait tout le Congo, qui a été le meilleur président du Parlement de l'histoire de notre pays. Et de l'autre, vous avez quelqu'un qui a été forgé dans le combat pour les libertés et le bien-être des Congolais. Ensemble, nous formons le ticket gagnant. Oui, oui. Et les peuples de cette contrée qui sont victimes de barbarie, comme s'il y avait une intention d'exterminer tout le peuple Nandé. Nous disons non et trois fois non. S'il faut payer de notre vie, nous allons le faire. Ce que le futur Premier ministre ne vous a pas dit, c'est que dès que nous sommes élus,
Nous allons établir notre état-major ici à l'Est jusqu'au retour définitif de la paix. Plus jamais un Congolais ne devra mourir à cause de l'imbécilité. Plus jamais ça. Bonne idée, bonne idée. Bonne idée. Nous allons garantir la sécurité et la paix à tous nos compatriotes, particulièrement ceux de l'Est du pays qui ont trop souffert. Oui, oui, oui. Et nous allons ensuite nous tourner vers le développement de ce pays en assurant le bien-être de nos compatriotes. Mais pour cela, chers compatriotes, nous avons besoin de vos voix. Oui. Vas-y, bon oui. Le 23 décembre, même s'il pleut, déplacez-vous en masse pour tous ceux qui ont été enrôlés. Allez voter. Oui. Dites-vous que votre voix est la clé pour le changement futur de exactement votre destin. Exactement. Vous ne pouvez plus continuer à souffrir. Et au lieu de vous battre avec des armes, battez-vous avec le bulletin de vote. Oui, oui. C'est celui qui va changer votre destin. Merci beaucoup. Le 23 décembre, votez pour le candidat numéro 20. Bon, Minaj. Et ensuite, pour les législatives nationales, législatives provinciales, votez pour les candidats de votre choix qui sont de l'UNC ou de l'UDPS. 56. 56. Nous avons besoin. Nous avons besoin de ces voix-là pour ou UDPS selon nos arrangements politiques que nous ferons. Mais vous allez permettre à l'UNC et à l'UDPS de diriger ces deux provinces, le du Nord et du Sud Kivu, et de permettre que la tricherie qui est préparée, elle pourra intervenir qu'après cela. C'est au moment de la compilation des résultats qu'ils vont commencer à tricher en inventant des faux chiffres. Et pour rester vigilant, vous devez surveiller vous-même votre vote. Quand vous avez voté, ne partez pas, restez devant le bureau, soutenez nos témoins jusqu'à la fin de la journée lorsque c'est bien, les bureaux seront fermés. Bien dit. C'est bien. 20. Parce que nous allons lutter contre la corruption. Nous allons permettre aux Congolais qui vont travailler de gagner leur vie à la sueur de leur front. C'est fini toutes ces facilités qui faisaient qu'il y a des gens qui s'enrichissent scandaleusement sur le dos des vrais travailleurs qui, eux, souffrent. Voilà, chers compatriotes, le message que j'avais pour vous. Je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu, non seulement